Vendredi 1er mars 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial Sila sous Média Haïtien en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité concernant le pays d'Haïti, une autre journée tension dans la capitale là, côté de monsieur Arméo qui était décidé depuis hier pour te fouler béton en objectif selon le chef gang Jimmy Cherizier pour te exiger Ariel Henry qui était pouvoir et te mander pour le rester dehors parce que nous connaissons le premier ministre qui pas actuellement dans le pays d'Haïti. Et mais une autre fois encore, chef gang nan lui-même li rencontré avec la presse pour mander Ariel Henry rete côté lia et le même mandé tout pour yo arrêter premier ministre Ariel Henry. Jimmy Cherizier qui actuellement c'est porte-parole Vive Ensemble qui c'est une nouvelle structure qui montée par divers gang nan pays d'Haïti qui était relié yo avec deux groupes dans le temps qui c'est Genève avec GPEP pour nous y a là qui réunit en bas et bien Vive Ensemble barbecue lui-même c'est porte-parole groupe ça côté demandé la police pour prendre toute disposition pour éviter affrontement entre ti monsieur armé qui sorti dans quartier populaire avec la police parce que eux-mêmes yo fait connaître c'est pour peuple là il y a bataille et ben Jimmy Cherizier qui mandé pour arrêter Ariel Henry selon lui-même qui pas régler rien dans tête pays d'Haïti et bien jodi a encore te gagne gros tension dans capitale la jambe là côté gagne lycée Toussaint l'ouverture qui en bas gros menace information t'a fait quoi si monsieur Arméo t'a investi espace là côté la police nationale t'a tenté pour s'il t'a capable repousser yo et gagne palais national tout qui pas épargné en bas menace et Arméo parce que si monsieur yo t'a essayer pour garder si au capable river sous palais national mais tu as pral gagner agent USGPN avec divers autres policiers mêlés à l'armée d'Haïti qui t'a pral fait tout ça dépend de yo pour te repousser si monsieur Arméo qui t'a tenté prend palais national et c'est nouveau Sibio pour côté au fait qu'on est il a rentré dans palais national quand même dans jour cap vinn si dispositif sécurité pas mettre en place capable de gagner un gros courrier et gagner tout pénitencier national qui était en bas gros menace jeudi vendredi 1er mars 2024 là mesdames et messieurs et bien faut que nous disions gagner premier ministre Ariel Henry Kounouya là qui trouvait dans le pays Kenya côté d'été allé dans 46e rencontre chef d'état CARICOM dans le pays Guyane et il était annoncé la gagner pour le rendre en Afrique et précisément à Nairobi et capitale pays Kenya qui son pays Afrique de l'Ouest. Eh bien mesdames et messieurs Ariel Henry qui c'est premier ministre li trouvé dans pays Kenya côté la sien yon accord avec pays Kenya côté la Cour suprême pays Kenya te exige pour te gagner yon accord binational entre Haïti avec pays Kenya pour capable vin supporter ou encore prendre tête mission multinationale cap vin supporter sécurité dans pays d'Haïti. Eh bien, Jean Saté annoncé à premier ministre Lissien à Kosila côté eh bien autorité kenyane pral capable déployer 1000 policiers à travers le pays d'Haïti pour venir participer dans la mission multinationale ça qui a privé dans le pays d'Haïti selon les membres du gouvernement souper, mesdames et messieurs. Et faut que nous disions tout, il y a environ 5 pays qui décidaient pour écrire les Nations Unies pour eh bien, offrir tête yo dans le cadre de la mission qui a gagné pour arriver dans le pays d'Haïti. Parmi les pays, il y a Bénin avec Tchad qui est vraiment là annoncé yo pari pour faire partie mission ça qui a gagné pour venir mettre la paix et sécurité à travers le pays d'Haïti. Et bien Bénin qui était déjà annoncé la mettre disponible 2000 soldats la Kaili et bien force ça qui capable gagner une force hybride selon quelques experts
nan sekurite ou Etats-Unis, poske fò sa pral genyen la polis e la genyen la me la dan ki pral bezwen de komandman selon kek espè nan peyi blan Meriken fò sa kapab bay. Rezultat, toutfwa, gen sekretèr jeneral Nasyon Zinyan li menm ki te pran dosye sekurite peyi d'Haïtia pou li menm li te mache avèl pou li te jwen otorizasyon nan Nasyon Zinyan et ap pralman de peyi yo pou yo vote pou fò sa arrivé dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, qui prend position au-delà de Fossa qui doit arriver dans le pays, Antonio Guterres fait qu'on est pas gagner sécurité en Haïti si pas gagner un compromis politique et soutenir décision Premier ministre Ariel Henry prend pour élection ta organisée dans l'année 2025. Antonio Guterres avancé pour le dire, mesdames et messieurs, toute disposition déjà prend et au pral marché rapide, Jean Saté annoncé côté l'ONU pral supporter élection, même Jean avec CARICOM, OEA et les États-Unis, le Canada, la France cap gagner pour bail support yo expertise yo nan organiser élection nan pays d'Haïti. Mais entre-temps faut que nous di ou tout sou Delma te gagner gros tension jodi vendredi 1er mars 2024 là côté vraiment diverses structures politiques te décidé mettre pied au terre nan objectif pour di Ariel tourner sous décision ça que lui-même li pa gagner légitimité pour organiser élection pendant li trouvé dans pays Kenya l'a signé papier sous nom peuple haïtien sans titre sans qualité l'a fait ça et bien il fait qu'on est Ariel Henry pas carité dans pays a jouk année 2026 Jean l'a fait quoi là parce que li fait qu'on est l'a organisé élection dans année 2025 ça qui veut dire que la primette pouvoir 7 février 2026 alors et bien dans ça qui gain pour avec international là mesdames et messieurs gagnent ancien et président américain avec actuel président américain n'a parlé respectivement de Donald Trump et Joe Biden Joseph Robinette Biden qui était rendu sous frontière haïtiano-mexique là et bien il t'a pral fait une visite sous frontière et bien ancien locataire Maison Blanche non et Donald Trump pas te mettre de l'eau dans bouche pour te critiquer mode de gestion mode de gouvernance Joe Biden en tête États-Unis et bien Donald Trump fait qu'on est Biden c'est un plus mauvais président les États-Unis a fait face là parce que il fait qu'on est façon Biden a dirigé pays là c'est catastrophique yo pas comprendre qui ça Joe Biden l'a fait en tête États-Unis n'a pas rappelé au gain Donald Trump avec Biden qui t'a supposé participer dans prochaine élection américaine yo mois novembre 2020 cap vini là toujours dans international là faut que nous dire gagne Vladimir Poutine qui gagne non cité dans scandale qui gagne pour avec la mort ancien militant ancien opposant avec pouvoir russe qui c'est Alexei Navalny lui-même qui était mort dans prison semaine qui saute passé et bien jodia c'est funérailles ancien opposant ça lui-même qui était dans prison donc funérailles qui fait dans ville Moscou et c'est dans do madame ni avec famille funérailles ça fait pendant yo t'a demandé pour te bailler au cadavre là pour ta capable organiser funérailles ici là mais c'était grosse cérémonie dans Moscou parce que monsieur ça c'était une figure emblématique dans pays là où ici point ça avec un pilote n'a invité pour suivre sous la voie de l'Amérique pour plus de détails dossier spécial. Ensemble pour nous présenter un programme dans l'Ancol haïtien. Je dis à ce vendredi 1er mars, nous souhaitons tout pour nous passer un bon mois de mars. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Je dis à laver le visage de l'époque là. Arrêtez Ariel. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, rencontré une autre fois encore avec la presse, en compagnie d'un paquet de monde qui était bien armé pour dire qu'il y a continué le mouvement Yoa net alcoolé. Kenya et Haïti signé un accord pour officialiser le déploiement 1000 policiers kenyans dans le pays d'Haïti dans le cadre de mission multinationale pour sécurité. Actualité Haïti aux États-Unis, duel démocrate-républicain dans l'occasion visite président Joe Biden avec ancien président Donald Trump sous frontière États-Unis partagée avec Mexique.
et puis gros et grand hommage dans ville Moscou dans occasion funérailles Alexei Navalny qui était opposant numéro 1 président Roussla Vladimir Poutine. Avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment et nous allons d'abord dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince côté que ça chauffait encore hier tes grand pile et boukanta écoute zam entre la police avec gang armé, gen 4 policiers qui mouri et gen même l'autre information qui t'a fait quoi que gon l'autre qui disparaît. Mais d'abord nous parlons dans Port-au-Prince pour nous connaître qui Jean ça y est bien que t'es gon petit calme au commencement journée. Nous parlons au jeune Massado Vilmé qui dit nous que ça chauffe surtout dans zone pénitentiaire nationale. L'hôpital général et bien une situation vraiment compliquée et plus bas et dans zone périmètre pénitentiaire national et zone palais national et zone et tribunal administratif et bien une situation est vraiment compliquée là il y a Ibo et responsable Ibo qui a demandé et policiers pour capable replier yo. Nous ne connaissons pour quelle raison, mais nous disons que la police lui-même est déterminée vraiment pour lui couper le groupe civil Améo qui a cherché à accaparer la capitale Port-au-Prince. Capitale de ma projet, je vous souhaite pour me dire que c'est plutôt capitale du pays. Eh bien, nous disons que ce n'est pas seulement dans la direction ça, du côté de Bel Air et on dit dans la direction de la capitale là tout. Il y a un groupe civil armé qui a tenté d'envahir tout. Et donc, nous connaissons une nouvelle déjà, c'est un mouvement qui vivent ensemble, une structure qui regroupe plusieurs groupes civils armés qui sont dans la région métropolitaine là, et qui a signé la trouble dans l'objectif selon sa porte-parole strict ici là, et Jimmy Cherizier alias Barbecue, fait qu'on est dans le micro la presse, c'est un mouvement pour capable capoter. Donc c'était une idée de qui Jean Saye dans zone pénitentiaire nationale côté que eh ben gen gang armé qui t'a essayé attaquer pénitentiaire nationale là n'a pas gen pour nous établir contact encore avec Port-au-Prince pour nous connaître et qui Jean Saye faut dire que c'est quelques temps après que Haïti avec Kenya signé un accord sur sécurité que Jimmy Cherizier alias Barbecue rencontré une autre fois encore avec la presse Jodia pour demander policiers pour yo poté coller pour yo capable arrêter premier ministre Ariel Henry qui lui-même qu'on a trouvé dans Nairobi entend des déclarations Jimmy Cherizier alias Barbecue. Jodian qui c'est 1er mars 2024 là nous couvons nous bien bas devant famille policiers qui mouri dans cas d'affrontement et dans bataille qu'a mené pour libérer pays et nous a profité de la police nationale d'Haïti que bataille ça n'a mené en nous en face la police nationale d'Haïti. N'a profité des policiers pour ressaisir même gens nous même nèg azam nous ressaisir nous et puis nous identifier vrai ennemi nous. Je dis c'est pas nous même qui gen zam lan men nous qui ennemi police nationale d'Haïti. Vrai ennemi police là c'est moun qui gen corps police là nan men et que pour acheter matériel ba nous pour nous travailler. Vrai ennemi nous yo c'est moun qui était là pour ba nous assurance l'hôpital l'école gratis pour petit nous yo pas jamais faire. Vrai ennemi nous yo c'est moun qui dans organisation droit moun qui a fait arrêter nous révoquer nous dans mauvaise condition. Vrai ennemi nous yo c'est moun les nous mouri après 2 mois yo couper chèque là. Moi même qu'a parler là en tant que policier en GSLC, combien madame policier, combien petit policier, et que nous toujours continuons à aider parce que la police là, elle ne prend pas soin de nous. Monsieur policier, bataille ça est bataille nous lié. Nous avons une opportunité qui est présentée devant nous pour nous laver le visage devant le peuple là. Pendant que nous crions pour frère nous mourir, moi-même, je passe l'étape ça déjà, je connais qui ça nous senti. Mais est-ce que nous connaissons et que nous complices dans ce qu'a fait là? Les nous avons sécurisé une série de ministres qui ont déchappé l'argent pays, l'argent pour acheter matériel pour nous travailler. Les nous avons sécurisé une série de directeurs généraux, nous connaissons ces volets, oui. Et eux même qui vrai gang, et eux même qui vrai ennemi nous. Je dis à laver le visage devant le peuple là, arrêtez Ariel. Si c'est vrai et que nous voulons faire des bagages pour le pays et pour les policiers, nous tous nets, militaires, pour nous mettre tête nous ensemble et puis nous dit bon frère ennemi nous c'est gouvernement ça n'a débarrassé pays à Ariel Henry n'a arrêté Ariel Henry
et que qu'on y a ensemble pour nous garder comment pour nous chita pour nous reconstruire pays hein. N'a demandé peuple haïtien groupe armé ou pas en face nous car toujours des dommages collatéraux qui arrivent. Ça qui arrivé les missions sorti dans la rue en gien balle qui tiré on malheureux qui prend balle ce que nous déplorer on malheureux qui cherche la vie qui prend balle ce que nous déplorer encore mais cependant nous pas une volonté manifeste côté que pour n'a détruit monde qui semble nous nous même groupe armé nous identifier ennemi nous peuple haïtien prend la rue nous demandons pour nèg amis prendre responsabilité yo nous prend responsabilité nous et mouvement ça il est pas là il commencé hier l'a continuer aujourd'hui l'a continuer après mais si vous le faites 2 mois, 3 mois si vous le faites 1 an, 2 ans jusqu'à ce que non seulement nous jeune bout Ariel Henry l'en fin capoter Ariel Henry faut que nous arranger nous pour capoter système ça qui là. Donc c'était Jimmy Cherizier alias Barbecue dans non vive ensemble qui yon l'autre fois encore li rencontré avec la presse parce que hier t'ai rencontré avec la presse et il rencontré avec la presse aujourd'hia après que hier t'ai gagné 4 policiers qui perdu la vie dans Boukantal Koudzam avec la police et qui t'ai gagné plusieurs blessés tout et gagné commissariat qui incendie. C'est jodi à tout et que tant qu'on nous dit déjà que Kenya avec Haïti signé yon accord sous sécurité et ça fait dans Nairobi et Premier ministre Ariel Henry t'es présent. Détail avec Sandra Lemaire. Kenya et Haïti signé un accord sur sécurité vendredi dans Nairobi que le gouvernement kenyan espérait va satisfaire demain au tribunal local t'est fait. L'alité décidé bloquer plan pour voyer 1 000 policiers pays à en Haïti pour participer dans une mission sécurité. C'est là que Nations Unies approuvé viser et des forces police nationale Haïti gérer zak violence gangyo. Tribunal là t'est bloqué plan parce que l'été dit que l'été inconstitutionnel. Kenya était premier pays qui était volontiers pour contribuer 1000 policiers dans force multinationale là pour répondre à appel gouvernement haïtien t'est fait pour l'ONU voyer support international pour aider le confronter gangyo. Cependant, dans mois de janvier, à cour supérieur Kenya était bloqué plan. Tribunal a t'est dit seule façon pour yo pousser pour plus devant avec plan, c'est si gagnent un accord réciproque entre deux pays yo. Pendant la cérémonie Nairobi, le président kenyan William Ruto a campé bon côté premier ministre haïtien Ariel Henry et puis fait convenir deux gouvernements et aussi un instrument réciproque pour permettre déploiement en fait. We are making this response because it is what is right. Lydie n'a pas répondu comme ça parce que nous devons faire ça qui est bon pour l'humanité. C'est ça que chrétien vivant qu'a fait pour chrétien vivant pareil. Donc nous très fiers dans le moment ça, côté Napsien encore. Nous c'était témoins étape là dans réponse peuple pays d'Haïti mandé ensemble avec Timoun, femmes, société civile et peuple haïtien en général mandé. The women in Haiti, the civil society, and the entire society of the Haitian people. Premier ministre Ariel Henry te prend la parole tout. What this mission is bringing is hope for the future. Les dit sa mission ça a apporté c'est espoir pour l'avenir, espoir pour chrétiens vivants, espoir pour haïtiens qui pas ka voir un avenir. Moi pas dit pour année qui venir hein, mais plutôt yo pas ka même ouais qui gens yo pral rester vivant demain, qui gens yo ka tourner la caillou sain et sauf. Yo pas connait si yo capable quitter la caillou aujourd'hui a et puis tourner à soir sain et sauf. Annonce la fête un jour après coup de zam te marié tout partout dans la capitale haïtienne, nan Port-au-Prince, jeudi. Gangyo te entré dans laisser frapper avec la police et puis bouler plusieurs commissariats et attaquer l'aéroport international tout seul ouverture là. Leader gang G9 là, Jimmy Cherizier alias Barbecue, dit VOA tout gangyo uni et que y a lancé une révolution. Principal objectif opération ça d'après lui-même, c'est déchouquer premier ministre Ariel Henry et puis empêcher le retourner à Haïti. Jodi an zam nan pa pou moun si machan nan ba la ville nan. Jodi an n'ap déchouqué Ariel, n'ap déchouqué politicien santi yo. Après ça pour nous passer prend oligarque corrompu yo et puis pour nous aller vers un autre Haïti, un Haïti réel, un Haïti qui gagne travail, un Haïti qui gagne manger.
on a ici côté que nous toutes nous fiers pour nous dire que nous c'est haïtien. Monsieur te dit tout que gangyo pas après cibler population dans affrontement améyo. Cependant, journaliste VOA dans Port-au-Prince t'est parlé avec plusieurs monde qui t'est blessé par balle dans affrontement gangyo jeudi et puis un gang t'est prend d'assaut un autobus qui t'a pral dans région nord pays. Yo t'est vinn laguer passager yo pita mais yo t'est prend l'argent dans main yo d'après ça yo dit. Il prend balle là dans ventre dans pied sous dos pied et puis tout le prend une sous chouchouni il prend une dans cuisse li plus que 5 ou 6 balles. Journaliste VOA yo dit coup de zam t'est chanté pendant toute nuit là et que matin t'est gain tiré tout. Yo t'est constaté moins moun dans la rue capitale là vendredi. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra, faut dire que Gantan gen réaction par rapport à Akosa entre Kenya avec Haïti sous question sécurité. Par exemple, Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, Réseau National Défense Droit Monde, exprimé yon doute sous rapport à force multinationale là à tout accord entre Haïti avec Kenya. Pierre Espérance. Même si on force tabina Kenya, quel que soit ça lié. Quantité. Ce n'est pas force ça qui peut résoudre le problème alliance, connivence qui vient d'autorité dans la police, ou état-major de la police, monde dans le gouvernement avec bandit. Ce n'est pas force ça qui peut résoudre l'instabilité politique, là, absence de gouvernance, absence d'état des droits, impunité. Et son paquet qui est loué, ou gardez ça qui passe, messieurs, le 29 février. Il a attaqué l'aéroport, policier, en pleine, bon repos. Il a quatre bandits exécutés, il a demandé secours, il a demandé renfort, il n'a pas rien pris. Gardez ça qui passe, porte là, gardez ça qui passe. Et en bas de la ville là, en pile monde prend balle. Pas de notre nom, pas de conseil et gouvernement ou bien CSPN a réuni. Pour assurer la population. Non? Mais nous levons aujourd'hui, messieurs, dames, nous-mêmes, nous prenons la RIA. Vendredi 1er mars, pas de policiers dans la RIA. Ça veut dire, si les gens n'ont pas attaqué la porte aujourd'hui, ils n'ont pas continué, c'est pas parce que peut-être bon, l'autre qui aurait ses voix, mais c'est pas disposition que la police prend pour garantir la sécurité de la population. Qui donc, bon, et quand on force qui vient, sous pas un gouvernement fonctionnel, sous pas un gouvernement qui travaille dans l'intérêt de la population, et pas aucune possibilité que force après améliorer la question de sécurité. Pierre Espérance, c'est directeur exécutif RNDDH, Réseau National Défense Droit Monde, dans le pays d'Haïti. Et faut dire que selon une source qui soutient la police nationale, là, gagne déjà une enquête qui est déjà ouverte sur ce qui passé hier là dans le pays d'Haïti. Et je pense que l'enquête là tout a considéré aujourd'hui à tout parce que il y a pile coup de zam qui a chanté là, dans le moment, n'a pas parlé là, nous sommes qui chante que, eh bien, il y a pile coup de zam qui a chanté bonne zone pénitentiaire nationale. Neg Axam attaque tout commissariat Rouen à Metlan, bien bonheur matin. Et Jodley Junior Saint-Ville a dit non plus. Situation insécurité a grandi chaque jour plus dans la commune Wanamet, département Nord-Est. Jeudi vendredi 1er mars 2024, là, l'été environ minuit 50, là, un groupe moun armé yo pas identifié attaqué commissariat police là. D'après information nous joignent qui sont bon côté responsable commissariat Wanamet là, commissaire divisionnaire Ronald Eugène, policier ont déjà connait ça ta capable arriver et ont préparé pour ça. Sans trop de difficulté, ak bakop Udmo qui te vin renforcer troupe là, yo te repoussé à Sayan yo. Attaque là qui te dirait environ 15 à 20 minutes, pas te fait victime. Dans moins passé yon mois, commissariat police Wanamet là sibi des attaques armées. Toujours d'après commissaire Eugène, la police continue à faire travail li pendant y a coupé tout bandi qui voulait simailler la Pérez dans la commune là. Pendant dernier jour si la yo, environ yon dizaine moun fait voile pour pays sans chapeau à cause phénomène insécurité a qui pas suspend monter dans Wanamet. Presque chaque soir dans plusieurs quartiers, moun capable tendre rafale coup de zam toute qualité cap tiré. Ça qui lagué gros qu'est sauté dans mitan communauté a. Jodley Junior Saint-Ville depuis Wanamet. Au VOA Créole.
Merci, Jodla Junior Saint-Ville. Donc, insécurité a levé campé à plusieurs côtés dans la capitale là et dans quelques villes, provinces ou sous VO à créole. Ou à suivre un programme dans langue créole haïtien. Restez branchés. Cloche, l'église icône de la Mère de Dieu, Cléronin, dans la ville Moscou, capitale pays la Russie, pour accueillir plusieurs milliers sympathisants qui étaient venus rendre un dernier hommage à Alexei Navalny, opposant numéro un président russe, Vladimir Poutine. C'était un gros hommage, c'était un dernier hommage pour opposant politique là. Un gros système sécurité avec un pile policier qui était présent dans l'occasion. Deux semaines après la mort Navalny, dans circonstances qui jusqu'à présent étaient floues, dans une prison colonie pénitentiaire à Tikla, parents défunts étaient recueillis devant Sekeli, un Sekeli qui était chargé avec fleurs sous tout corps cadavre dans une cérémonie orthodoxe. Et là, ils après le fermer Sekeli là, en pile monde t'a prélé pour demander une dernière chance pour jouer une possibilité pour dire au revoir. Après ça, il a enterré dans un cimetière dans la capitale russe. Tout ça en absence de madame ni et petite li qui est dans un pays étranger. Et madame défunt, Lulia Navalnya, te mettait un message sous compte X. Un message qui dit: moi, pas connais qui j'en m'a fait vivre sans vous, mais m'a fait ça capable pour vous-même ou capable, heureux et fier de moi, côté où y'a en l'air. C'était un gros foule, que c'est devant l'église là ou devant le cimetière Borisovoa, moun yo tap rele, yo tap voye slogan monté pendant yo tap cité non défunt Navalny. Porte-parole président Poutine nan, Dimitri Peskov, te sorti un communiqué pour dire toute manifestation qui pas joine autorisation interdit. Funérailles ça qui rassemblait plusieurs milliers de monde et qui t'a fait un pile déclaration en faveur défunt qui dit que c'était un grand homme. Li fait quelques semaines avant élection présidentielle qui pral dérouler dans le pays la Russie. Alexei Navalny est mort vendredi 16 février alors que l'État purgé yon peine 19 ans pour extrémiste d'après la justice russe. Puissance occidentale parmi yo, les États-Unis la gueule en mort sous dos Vladimir Poutine, yon accusation Kremlin toujours rejetée. Donc, funérailles ça a déroulé pour gagner élection dans quelques semaines là, pour ne pas dire quelques jours, dans le pays la Russie. Ou sous VOA Créole, on va suivre un programme dans la créole haïtien. État-nation, président Joe Biden va présenter bilan politique li by nation dans you discours devant deux chambres congrès réunies et devant nation américaine. Jour cap jeudi 7 mars 2024 ça. VOA Creole a sous place dans Washington DC pour pote ba ou live en direct. Discours président américain en créole. Journaliste VOA Creole ensemble avec des invités, analystes politiques va permettre ou vivre événement politique ça. State of the Union. État-nation branché sous VOA Creole à partir de 8h30 sous toute plateforme VOA Creole. Branché VOA Creole. Yon rendez-vous pour pas rater 7 mars prochain. Actualité ici aux États-Unis, c'était yon duel démocrate-républicain dans l'occasion visite président Joe Biden avec ancien président Donald Trump sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Marie-Louise Pierre. Président Joe Biden a visité frontière États-Unis avec Mexique jeudi 29 février parce que yon foule immigrant vin tourner yon problème dominant pour électeur yo. Agent patrouille frontière yo te bay Biden yon compte rendu et leader américain te marché bon la rivière Rio Grande qui sépare Brownsville avec Mexique. Biden qui était sous défensive sous affaire ça dans dernier mois qui s'est passé yo, te dans ville frontière Brownsville Texas côté il était critiqué parlementaire républicain yo parce que était rejeté un effort unité tous les deux boyo pour renforcer politique immigration après ancien président Donald Trump demandé pour pas passer et puis bay Biden une victoire politique. Biden dit mesure li propose yo t'a pas accéléré processus asile là et puis décourager moun traverser frontière yo. Mais ça m'a dit, M. Trump, au lieu pour jouer politique avec problème ça, au lieu pour dire membre congrès a bloqué législation ça, rentrer dans moi, au soir, moi pral rentrer dans où, dans 10 congrès a pour le passé projet loi sécurité unitaire, nous qu'a fait lien ensemble. Ou connaît, et moi connaît ce projet loi sécurité frontière qui pi du, qui pi efficace, que pays ça a été gens moi. Qui donc, au lieu de nous jouer politique avec problème non, pour qui ça nous pas juste mettre tête nous ensemble et puis jouer une solution hein? En songer pour qui moun n'a travail. Nous travaillons pour peuple américain, hein? Pas parti démocrate là, ou soit parti républicain. Hein? Nous travaillons pour peuple américain.
Trump, qui a une chance pour l'opposant républicain Biden dans l'élection novembre, a visité les frontières tout, côté officiel, il a été informé avec le gouverneur Texas Greg Abbott, bon, la rivière Le Fouette-là, avant de parler dans Shelby Park, dans Eagle Pass. Now the United States is being overrun. Kounia, États-Unis a pas envisagé crime migrant Biden, yo. C'est une nouvelle forme, une violation vicieuse dans le pays noir. C'est crime migrant. Nous, elle est le crime migrant Biden, mais ça a un petit crasse trop long. Qui donc, nous parle juste quitter lui. Mais chaque fois, autant des thèmes crime migrant, ou qu'on est qui côté ça sorti. Biden était monté sous pouvoir dans l'année 2021. Il était promettre pour renverser politique immigration trompio, mais il était venu renforcer propre approche par lui. En bas pression républicain yo qui accusait comme quoi il pas contrôle les frontières, Biden t'a demandé congrès l'année passée pour bailler plus financement pour faire renfort et il t'a dit que il t'a fermé frontières si il t'a bailler nouvelle autorité pour faire migrant yo tourner. Quantité immigrant yo t'a kembé qui t'a traversé frontières États-Unis avec Mexique là illégalement, t'a battu un record, 250 000 pour un mois, dans le mois de décembre seulement. Mais il était diminué à moitié dans le mois de janvier. Une tendance officielle américaine attribuée à augmentation service mexicain pour faire respecter la loi à tendance saison 1. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce. C'est à cause de difficultés qui gagnent sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Un pile immigrant haïtien obligé résigner dans le pays Mexique. Côté y a vivre rêve mexicain au lieu de vivre rêve américain. Valérie Saint-Louis. Pile haïtien obligé rabattre sous rêve mexicain au lieu de rêve américain face à fermeture frontière qui sépare États-Unis et Mexique. Et Vince Luxama, tant que plusieurs milliers d'immigrants, t'es obligé de faire bac sous frontière Mexique là, bien que l'idée pas lui, c'était jeter pour lui quitter un pays en bas la trouble à la violence gang, surtout dans la capitale là, Port-au-Prince. Disons que ça fait près de 3 ans, que Haïti est parce que vivre en Haïti est comme insupportable. Comme pour des gens qui travaillent, pour des gens respectueux, en Haïti, c'est quasi impossible de vivre en Haïti. L'Evans a quitté Haïti, côté que le tape géré un restaurant, c'est seule ambassade Mexique là, dans Port-au-Prince, qui était toujours à bail visa. Dans le mois de janvier 2023, gang a kidnappé un cousin avec ce partenaire. Il a été lagué après qu'il a été payé rançon. Épisode ça a été précipité voyager pour pays Mexique, côté que Jounet Jodia a travaillé comme un éditeur pour une compagnie production. Il est arrivé à joindre statut réfugié dans pays Mexique. Je voulais aller aux États-Unis, mais Mexique est le pays qui offre comme une opportunité que je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y a. Qui a autre pays qui l'offre en ce moment. Changement dans la loi et règlement américain avec militarisation frontière poussé haïtien à opter pour rêve mexicain. Et 21 n'a pas mis 141 000 monde qui étaient appliqués pour asile dans le pays Mexique en 2023. Majorité dans eux était sorti Haïti, Honduras à Cuba. En pile haïtien t'est arrivé quitter pays a puis arrivé dans pays Mexique dans l'année 2021. Une année qui était marquée par un autre tremblement de terre qui t'est tué presque 2300 000 monde. Et puis en 2021 tout n'a praplo assassinat président Jovenel Moïse t'est poussé haïtien ça quitter pays a. Dans mois septembre 2021, plusieurs milliers immigrants surtout haïtiens t'est rassemblé dans Ciudad Acuña dans nord pays Mexique dans espoir puis t'est arrivé aux États-Unis dans capitale Mexique là. Et c'est dans capitale pays Mexique là que haïtien au plus présent, yo joint travail informel qui mal payé qui paye abattable, mais quand même c'est là que arrivé vivre dans camp ou bien dans village en dehors capitale là. Pendant pandémie, il y a une grosse quantité na yo té immigré vers pays Chili à cause discrimination et difficulté pour joindre statut légal d'après organisation non gouvernementale ça qui est le Human Rights Watch. Mexique, il t'accepte. Non seulement les haïtiens, tous les étrangers ils t'acceptent, ils font tout pour que tu te régularises, que tu as tes papiers et avec tes papiers, tu peux amener ta famille à vivre avec toi. Johnny lui-même t'a préféré rester dans le pays Mexique, malgré que t'es envie d'arriver aux États-Unis. Pays d'Haïti a fait face à une grosse crise sécuritaire et humanitaire depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Quantité homicide qui rapporté a augmenté de 119,4% en 2023, comparé à l'année 2022, avec 4789 victimes crimes qui rapportaient. Pour moi, c'est très dur parce que des fois, ta famille t'appelle, ils te demandent quelque chose, ils veulent avoir quelque chose, ils se sentent menacés, et toi, tu es ici, tu ne peux rien faire. Immigration vient comme un thème dominant dans la campagne électorale américaine qui vient là. Le président américain qui candidat pour l'élection, Joe Biden, a promoté quelques lois dans le programme immigration TPS qui a permis résidence et travail à plusieurs milliers haïtiens, mais c'est pour seulement les gens qui sont arrivés dans le pays avant 6 novembre 2022.
En décembre année passée, plus passé 302 000 immigrants toute nationalité étaient interceptés sous frontière Mexique avec États-Unis. Côté tout que déporté 520 000 mettez dur dans le pays à dans mi-temps mois mai année passée. Pour ouvrir au créole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis, nous pratiquement arrivés dans la dernière ligne droite et rendez-vous info pour Jodiat, c'est 1er mars 2024 et nous disons et y ont bon mois de mars et font dit tout que gagne Serge Rodriguez qui a fêté fête demain 2 mars là. N'a pas tourné sous ça, mais grand pile fois yo parler de documents secrets non président Joe Biden était associé à lui et non ancien président Donald Trump non associé à lui et Jodiat il était paraître devant au tribunal dans Miami et ta Floride côté que nous te gain Pierre Renel René qui était présent. Depuis le matin, tout autour du tribunal-là, et ça a causé une sorte de blocus dans tout le monde, puisque la police nous dans tout le point, donc ça a été affecté circulation dans ce processus-là. Matéra, côté partisan Donald Trump, yo, mobilisé depuis matin avant Donald Trump dérivé et le tribunal là. Voilà pour une première information qui est jouée avec Audi Sosa. Nous devons le tribunal là en attendant et évalué en attendant que l'autre détail s'ouvre concernant Audi Sosa qui a fait Matéra. Donc c'était Pierre Renel René qui était devant tribunal ça qui t'a accueilli ancien président Donald Trump et qui allait dans procès d'après que si on t'a capable de retarder procès concernant et documents secrets que t'a joindre la Kylie était même gain en polémique entre président démocrate Joe Biden avec ancien président Donald Trump et nous capable fanatique qui t'est venu en général les gain et apparition dans tribunal ça yo fanatique ancien président Convini et grand pile monde cap analyser qui dit que apparition ça yo kon aider ancien président pour le capable faire bon marathon pour le capable recueillir l'argent pour li capable mener campagne mais et gen l'autre spécialiste qui dit tout que eh ben c'est une technique une stratégie une méthode qui pas bay même résultat encore et parce que ouais que gen moins l'argent qui rentré et qu'on y a le ancien président paraît devant yon tribunal donc c'est comme ça y est n'a suivre nous connaît que ancien président a fait face à un pile et pour ça notamment 4 procès et c'est première fois ça a fait dans l'histoire c'est une page l'histoire qu'a écrit avec ancien président Donald Trump qui a fait face à la justice nous pratiquement arrivé dans fin programme là nous voulons de façon très très spéciale souhaiter collègues nous amis nous frères nous cavalier Paul Cano Serge Rodriguez qui jodi a pas avec nous dans nouvelle souvenette mais venait la fêter donc demain c'est fête le 2 mars donc nous souhaiter tout ça qui bon nous souhaiter beaucoup de bonheur beaucoup de joie beaucoup de santé dans notre tout service que là donc bonne fête Rodriguez et puis nous saluer tout Chica et qui même a fêté tout tout l'autre monde qui a fêté pour mois de mars qui fait commencer moi c'est Jacques Lembelizer bonsoir et passez un bon week-end merci gentil merci Jean-Marc Hervé Abelard merci Franklin et merci et grand l'autre monde que moi oublié Abdel Rahman nous saluons tout bonsoir tout le monde bon week-end.